Les années 68, c'était des années révolutionnaires à travers le monde d'ailleurs. Cette révolution nous a touchés, nous aussi, parce qu'on voulait créer à partir de l'Afrique et montrer à la face du monde qu'on est capable. Et quand cette pochette est sortie, ça a fait un tollé à Dakar. Les gens, ceux qui ne savaient pas lire, découpaient la pochette pour l'encadrer et mettre dans leur maison. Je suis un artiste sénégalais. Je m'appelle Guy Batian Sambou. C'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai. Aïe, c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai. Je suis né en 1953 en Basse-Casamance et je suis venu à Dakar en 1968 pour intégrer l'École nationale des beaux-arts. Je sentais que j'avais un don naturel, un don de Dieu. Il fallait l'exprimer d'une façon isolée, en tant que neutron libre. C'est ce qui m'a poussé à me décaler de cette structure pour mieux appréhender ce que je voulais faire. Silla avait choisi de faire, de s'affirmer autrement. Il venait de rentrer dans la production. Il avait produit quelques albums. Un jour, il est venu me voir. On discutait comme ça. Il m'a enlevé des photos pour me dire que, voilà, je dois présenter et produire le Baobab, le Gestu, Ouza. Il m'a montré les photos. Je lui ai dit, ok, c'est là. Mais c'est très bien ça. Mais c'était le style du Mali, du Sili National. Il se photographie en groupe. J'ai dit, c'est une occasion de montrer à la face du monde qu'il y a un caractère unificateur de la nature musicale à la nature artistique. Donc, on doit mettre en exergue la culture négro-africaine à travers les pochettes de disques. C'est un message qu'on doit lancer à travers le monde et en face du monde. Alors, on a passé des journées là-bas, au studio, pour enregistrer les disques. J'étais présent. Alors, quand il a dit ça, j'ai dit, ok, il y a un symbole du mouridisme, c'est la mosquée de Touba. Mais je ne veux pas la prendre intégralement, parce que c'est un lieu de culte. J'ai choisi le minaret pour la conception. Mais je l'ai couvert avec le baobab qui était le symbole pour montrer la nationalité de l'artiste et du producteur. Ma mère, avant de mourir, était aveugle. Je l'ai ouvert les yeux sur la pochette. Là, c'est deux personnages qui jouent au tambour. Vous avez vu le bleu. C'est les abysses, c'est les océans qui nous séparaient du continent européen. Alors, ce soleil, c'est l'Afrique. C'est cette chaleur qu'on trouvait dans les sons, dans les percussions. J'étais ému en créant ça. Quand l'idée m'est venue d'ouvrir les yeux de ma maman à travers cette pochette. Et c'est ce qui a créé cette dimension mystique de cette œuvre. Il y a à la fois une dimension religieuse, mystique, ésotérique, révolutionnaire et tout. Quand le président Echeverria est venu au Sénégal, c'était le président du Mexique à l'époque. Le gouvernement sénégalais avait agrandi la pochette en photo et lui ont donné comme cadeau. Donc c'était une icône du Sénégal. Depuis lors, on n'a jamais eu des pochettes aussi magnifiques, surtout le baobab, le Guigui. Pour ce qui concerne le Gestu, ils jouaient les premières du baobab. Ils jouaient même avec les instruments du baobab. Silla a saisi l'occasion pour vraiment produire ce disque sur la polygamie. Au départ, certaines personnes nous ont un peu critiqué en disant que la majeure partie de vous ont des papas qui sont polygames. Donc, mais cela ne nous empêchait pas de dire ce que l'on ressentait, parce qu'il fallait que ça change. Vous voyez ces enfants malingres, pensifs, malheureux, avec ces mamans pensives, tu vois, et ce vieux qui est au-dessus d'eux. On a amené beaucoup de changements dans ce pays à travers les pochettes, sans beaucoup crier, sans beaucoup parler, rien qu'avec des images et des sons. Quand les collectionneurs européens sont venus ici, ils m'ont dit que vous êtes le plus grand graphiste que l'Afrique n'ait jamais connu après les indépendances. Aduna,